Chez les personnes qui ont les problèmes de santé, d'alimentation liés au poids. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur la page si vous arrivez pour la première fois et de découvrir les autres contenus et partager également la vidéo pour permettre à tous les Africains de prendre conscience, de découvrir les miracles que peuvent accomplir le gombo. Alors, la première propriété du gombo, elle va reposer sur le fait que c'est un aliment très, très, très intéressant pour les personnes diabétiques. La raison est simple. Elle a un index glycémique très faible, ce qui fait que la consommation du gombo sous forme de sauce ou alors sous forme de salade va faire en sorte que quand vous allez en prendre même en grande quantité, cela ne modifiera pas rapidement votre niveau de sucre sanguin. Et puisque vous savez qu'un diabétique doit pouvoir garder sa glycémie stable, voilà un aliment qui devrait faire partie de l'ossature de nutritionnelle d'un patient diabétique. Donc ne manquez pas de garder cela à l'esprit. Alors, la seconde vertu du gombo, c'est qu'il aide à réduire le mauvais cholestérol. Oui, si vous ne le saviez pas, la consommation régulière du gombo aide à revoir le niveau de cholestérol à la baisse. Attention, nous faisons allusion au mauvais cholestérol qui est source de maladie.